En avant ! Allez, on y va ! Tyrain a mobilisé bien plus de troupes que prévu. Des traîtres, ils regretteront leur décision. Je vais en profiter pour éliminer tous mes ennemis d'un coup. Tu ferais bien de te préparer, cher Isht. Gamin qui se prend pour un roi. Je t'attendais. Tu as rallié tous les rebelles de l'Ouest. Et tous les traîtres mourront aujourd'hui. Cadogan, apportez-moi Victorieuse et la tête de Tyrain. À vos ordres, messire Cherisht. Et pas de quartier. Nous sommes là! Protégez sa majesté! Castleford! Vous tombez à point! Bien. Allons nous battre! Ça va ? Carmine !
Tu oses m'invoquer pour de simples querelles de mortels. Mais cette épée, la descendance de Lutheran. Parfait. J'ai enfin l'occasion de venger l'insulte que m'a faite ton ancêtre. Ce vermisseau est le gardien de Victorieuse, et elle ne brille pas. L'épée est aussi faible et inerte que toi, petit. Cette lignée a décliné. Il n'y a rien en toi de Lutheran. Un roi doit contenir sa colère. Un roi doit régner sur ses sujets avec bonté. Un roi doit croire en lui-même. Cette lumière. Depuis le temps que j'attends ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne fais que suivre les instructions. Ces ordres viennent de Kazeros. Et ma vengeance! Tu ne t'en tireras pas si facilement, Carmine! Tout ça n'est qu'un jeu pour toi, démon! Oui, mais je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, je vais vite nous préparer un nouvel échiquier. Bonne chance avec ton véritable adversaire. Ne fais pas trop de casse. La lumière de Victorieuse. Mettons un terme à cette histoire. Cap, sur Château Lutheran.